Donc le thème de Tabata, c'est ça, c'est 4 minutes d'effort au total sur un exercice. Donc on dit que 4 minutes de Tabata, c'est l'équivalent de 20-30 minutes de cardio, ce qui est vrai au niveau de l'intensité et au niveau du rythme imposé. Ça a de très très bons résultats, donc c'est vraiment, vraiment une super méthode. Moi j'aime bien aussi cette méthode, parce qu'elle nous permet finalement de toucher à tous les mouvements et de permettre à tous de le faire. Parce que souvent quand on part sur un exercice où il faut en faire 50 ou alors il y a 40 secondes à tenir, ça devient tout de suite des fois insurmontable. Là, 20 secondes, messieurs, dames, c'est pas le corps qui peut plus, c'est le mental. Donc pensez-le bien, vous pouvez le faire. Même si le rythme diminue, même si le mouvement on en fait moins, on peut toujours tenir ces 20 secondes. C'est une super méthode pour évoluer, je trouve. Aujourd'hui, on va faire 8 thèmes de Tabata au total, c'est-à-dire 8 exercices différents. On passera à l'exercice suivant qu'une fois qu'on aura terminé nos 8 séries de l'exercice précédent. Le premier exercice sera un exercice abdominal en sit-up. Le sit-up, ça vise à travailler le haut et le milieu du ventre essentiellement. Je rappelle que pour les abdominaux, on aspire le nombril et on serre la région du périnée, c'est la règle d'or. Donc on fera 8 séries de 20 secondes d'effort. On essaiera de faire le maximum de mouvements pendant ces 20 secondes. Ensuite, on aura un thème, messieurs, dames, il n'y en a pas encore eu de la semaine, un thème en burpees. Oui, oui, un thème complet de Tabata en burpees, c'est pas évident, mais ça se fait, ne vous inquiétez pas, on va y arriver. On va continuer ensuite avec un travail cardio sur du 1-2 bloc genou, vous savez, c'est le transfert, on fait 1-2 genou, 1-2 genou, ça c'est tonicité cardio. Ensuite, on aura un petit travail musculaire sur les jambes en squat, où je vous proposerai tous les 4 mouvements de faire une extension, et l'explosivité davantage. On travaillera ensuite plus le côté musculaire avec la taille. On travaillera en side plank, alors c'est tout simplement une planche sur le côté. Soit on la gardera maintenue, soit on fera ce que je vais vous demander, des mouvements en dynamique. D'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre. 8 séries au total. On continuera avec un petit travail fessier abducteur, d'un côté et de l'autre. On repartira sur les abdominaux, mais cette fois-ci sur le bas-ventre, avec des battements de jambes. Et enfin, le dernier exercice sera un exercice fessier en levée de bassin. D'accord ? Donc, il n'y a pas de niveau. On essaiera d'aller jusqu'au bout des thèmes. Chaque exercice est différent de l'autre. D'accord ? Et c'est 4 minutes à chaque fois d'effort. On va se laisser 2 minutes de récupération entre chaque thème. On a bien compris le travail ? Allez, on va attaquer. Ok, messieurs, dames, vous êtes en place pour l'échauffement, vous avez vu une petite gorgée d'eau, c'est bon, on y est. Allez, c'est parti. Plus tonique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1.
si vous avez besoin de votre tapis. C'est pour le confort, si tu n'as pas de tapis à la maison, tu prends une bonne serviette épaisse, pourquoi pas même une couverture. Tu l'appuies, ça te fait quelque chose d'un peu mal donné pour les petites fesses. Et tu peux faire ton mouvement. Le sit-up. Alors, le principe du sit-up, c'est tout simplement de décoller les omoplates, mais on se donne un élan et on travaille également avec les bras de manière à solliciter également les intercostaux. Aspire vraiment ton nombril, remonte la région du périnée. Les jambes sont théoriquement écartées, les pieds se touchent de cette façon. D'accord? Mais si la position ne te va pas, si tu as des soucis de genou haute et que tu préfères le faire comme ceci, c'est pas un souci, c'est pas un problème, hein, ok? Le mouvement, en théorie on est ici en position, les mains sont sur les pointes de pied, je me redresse un petit peu, je regarde toujours devant moi, je descends en inspirant, j'aspire le nombril, je dois toucher le sol derrière avec les mains, je rejette les bras de manière à revenir en position, à chaque fois toucher la pointe de pied. Ce qu'il faut, c'est pas que ce soit un ressort avec le dos, mais que ce soit bien une contraction abdominale. Donc aspirez le ventre et ne relâchez pas votre contraction quand vous arrivez derrière. Toujours tonique. J'inspire, je ramène. J'inspire, je ramène. Si tu dois souffler, c'est ici. C'est pas derrière. D'accord? Allez, on y va. Oh,
le milieu et un petit peu à ce niveau-là. Alors le deuxième exercice, c'est les burpees. On l'a placé en deuxième, comme ça on a encore bien 100% de notre énergie et on va pouvoir se donner au maximum sur ce mouvement. Je vous rappelle que vous avez trois façons de le faire, on va dire trois niveaux. Le premier niveau, on va dire celui qu'on recherche comme niveau, le vrai burpees, c'est un squat, une amenée des pecs au sol, seulement des pecs, une remontée en extension. Qui vous donne la flexion, ici les pecs au sol, juste les pecs, hein. Je ramène les pieds et je saute. Vous avez la deuxième façon, un peu moins dure, vous posez l'ensemble du corps au sol. D'accord? Vous remontez avec l'aide de vos genoux, vous ramenez les pieds et l'extension. C'est le burpees que vous voyez dans 80% des cas sur internet ou en règle générale. Et enfin, encore un peu plus adapté, sans les sons et compagnie pour les articulations fragiles. Ici je fléchis, je recule, je me couche au sol, je me redresse de la même façon que l'autre, je ramène une jambe, l'autre jambe, et si je peux, j'effectue l'extension. L'important, c'est de le faire à ton niveau, mais surtout de faire de ton mieux. D'accord? Tu t'accroches pendant 20 secondes, tu essaies d'en faire le maximum. Messieurs, dames, il nous reste exactement 20 secondes et on démarre. Avant-dernière.
y va. Yeah!
Ah!
hanche sur le côté. Le but est d'effectuer des mouvements. Levez le bassin. Sur les pieds, on va chercher à descendre et à monter. Si c'est trop dur, tu fais sur les genoux, tu poses les fesses, tu lèves, pose, lève, pose, lève. D'accord? Soit sur les pieds, soit sur les genoux. Voilà. Il nous reste 30 secondes et on démarre. Alors on va le faire 4 fois d'un côté avant de passer sur l'autre côté, messieurs, d'un par contre, d'accord? Yeah.
Change de côté.
série de choc. On essaye de rester petit là-haut après toi. On y va. Hop, 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 hop. Ah, 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 en plein. Thank you.
vous, de manière à solliciter davantage les articulaires en plus. N'hésitez pas à accrocher vos chaussures. Contraction de la règle déterminée. Contraction des fessiers, les fesses doivent être dures. On va chercher à monter et descendre, tout simplement. C'est pas le ventre qu'on lève, c'est le périnée. Les fesses contractées à chaque fois. Et c'est parti.
séance aujourd'hui encore. Hein. Allez, on est un petit peu ici. Vous pouvez prendre vos jambes. Pour détendre un petit peu, écrasement musculaire. Ok. Reste. Inspirez. Tirez vers le ciel. Essayez de mettre le doigt plat. Et on descend soufflant. Vous regardez vos pieds, vous tendez vos bras. Et vous n'allez pas attraper vos pieds. Hein. Vous laissez juste ici tendre en soufflant. On remonte, on inspire. Et on commence. Je rappelle que le but est d'aller chercher loin devant. Non pas vers le sol, mais loin vers l'avant. On dresse. On ouvre et on relâche. On relève vos épaules. Une dernière. Ok. Vous allez lever un genou. Vous allez amener le pied sur le côté de votre cuisse. On enveloppe avec le bras opposé. L'articulation du cou vient prendre juste sous la région du genou ici. Le bras est orienté vers la fesse et on va tirer du haut vers le bas en remontant le genou en direction de l'épaule opposée. Le dos reste droit, à plat, le plus à plat possible en tout cas. Et vous ressentez l'étirement grand et moyen fessier. Pour accentuer cet étirement, il vous suffit de rapprocher un peu plus le pied de votre fesse, tout simplement. On va rajouter le dos, vous allez attraper votre bras et vous allez pivoter, regardez derrière. En plus le dos. On change de côté. Hop là, ok. Sur le côté de la cuisse, on enveloppe avec le bras opposé. Du bas vers le haut pour aller dans le sens de la fibre musculaire. On étire en remontant le genou vers l'épaule, le dos bien à plat. Voilà, on va continuer avec le dos pour attraper votre jambe. Et vous regardez. Et sur l'expiration, vous cherchez à tendre vos jambes. On inspire, puis je souffle, j'étends mes jambes, conservant les mains à plat au sol. Si je peux, bien évidemment. Et ensuite, je déroule le dos. Les épaules et la tête en dernier. Et je relâche. Très bien. Le bassin pour replacer les hanches. Dans l'autre sens, et 1, 2, 3, et 2, 4. Terminons avec les quadriceps, talons à la fesse, on sent la hanche, contractez la fesse, engagez en étirement. Voilà, relâchez, et changez de côté. Talons à la fesse. Messieurs, dames, ce sera tout pour la séance d'aujourd'hui, le Tabata. Donc j'espère que vous avez apprécié, vous avez vu un petit mélange hein, cardio et muscu, les deux en un, en suivant cette méthode. Vous pouvez me suivre via la chaîne YouTube, rappelez-vous. N'hésitez pas à aller voir sur Julien Coach, c'est une chaîne YouTube. La page Facebook, bien évidemment, et Canal 10, 7h, 14h et 23h. Quant à moi, je vous dis à demain.
pour un challenge normalement, si tout va bien. Restez chez vous, le confinement n'est pas terminé.